Voilà, encore une fois, je viens vers vous avec tout le respect que je vous dois. Joe Moubiala Kawakubogang depuis la Suisse. L'actualité bat son plein. Et nous, acteurs politiques, culturels, on ne doit pas rester motus bouche cousue pour ne pas se prononcer sur ce qui se passe actuellement en RDC, la République démocratique, soi-disant démocratique du Congo. Très chers compatriotes, c'est vrai que ce n'est pas évident de vivre ce que le peuple congolais est en train de vivre en ce moment et rester sans réaction. C'est complètement irresponsable. Comme on dit en français, qui dit mot qu'on sent, mais la vie c'est un combat de tous les jours, c'est un challenge, c'est des engagements. Mais il y a des priorités. Il faut se sentir à la hauteur. Moi, je vis en Suisse, je sais de quoi je parle. Je ne serai pas dans la politique, je pourrais peut-être dire une fois de plus, je dis, bon, moi je ne maîtrise rien, je n'ai rien à dire. Mais connaissant un petit peu le basique que j'ai comme connaissance politique, tout ce qui se passe au Congo avec Tshilombo, que je pointe du doigt, Félix. Et non seulement lui, non seulement la personne de Félix, mais aussi de Kanembe alias Joseph Kabila. Je vais aller à Lingala comme ça, vous allez bien comprendre les choses. Mais ceux qui ne sont pas des lingalophones vont comprendre que c'est, il s'agit de la politique et je m'attaque à ces deux énergumènes, des individus qui ont détruit le peuple congolais, qui ont fait de ce peuple des esclaves pour leur bien, pour leur bonheur personnel. Ils se sont mis là-bas pour se remplir les poches au détriment du peuple. Bande Kolanga ba Congolais. Depuis la Suisse, vous le connaissez, ça c'est sûr et certain, je suis plus à présenter. On dit en français, qui sème le vent récolte la tempête. Qui sème le vent récolte la tempête. Ceci veut dire que qui c'est Kanembe alias Joseph Kabila. Asakana Namboka Yaki Ndenge Baloba Ndenge Baloba ki papa me l'avait dit a dit bateau ba yena ba bambula ba comme le lot ba milliardaire ba millionnaire il avait dit et Mine King Kester l'avait dit clairement que pour ceux qui vont continuer qu'à faire souffrir le peuple congolais to ko kota mfinda c'est à dire to ko comme ba rebelle. Et puis voilà, élection de qui Malamu, bah Congolais, Nandenga bah pour 2006, Nandenga bah pour 2011, bah ça les rebellote na 2000, 2018, bah Pony Fayulu. Et c'est là où il y a tout le problème, ils ont décalé l'eau. Aujourd'hui, un bien mal acquis ne profite à rien. Vous pouvez faire toutes les analyses possibles, va politologue, va spécialiste, mais sans pour autant qu'on revenir que Tshilombo, il pouvoir, il y a Fayulu, comme ne cite pas l'intervention, la Genève, place Bayokanaki, qui est Fayulu Fakoma, Nani, avec Fakoma, candidat commun au peuple latin d'Aki.
que ma manière de les cas qui refusent officiellement et les cas qui n'engagent pas l'élection voilà on va dire que non mais tu y as quand même voté en gars tu y as quand même gagné l'élection ça parce qu'il y a quand même un scrutin il y a un il y a libre il y a mutu il y a dans la cachette qui l'ont basé dans un interview par la partie oh non tu y as quand même il y a salinga pour amener des gars bimisi qui y a qui est dans la bongoté ce n'est pas ça la démocratie mentir aux gens et c'est là où c'est tel père tel fils. Le père Étienne Tshisekedi a kende ko yiba pouvoir y a 13 parlementaires a bimisango neti ya ye moko. Donc tel père tel fils trahison sur trahison la même famille. Les Mbouankiem, le Kabakiba Samaliba tous ces gens tous ces bâtons là tout va arriver victime y a moyibi y a trahison. Il y a Étienne Tshisekedi et comme il n'a pas n'a pas donc tel père, tel fils qui sème le vent récolte la tempête. Et que j'entends par-ci par-là sans pourtant le bac non, je regrette d'avoir fait un mauvais choix. N'a bébé ça, mboka ou n'a qu'il nous soit et tu l'ombona tchaye la place on a il qu'il méritait pas. Il y a là qui n'a pas de risque. De démocratie, il n'y a pas qu'il n'y a pas d'urne, il n'y a pas d'urne, il n'y a pas de pouvoir, c'est là où tu vas dire, il n'y a pas de la démocratie. Même Kazak n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir, mais il n'y a pas de Kazak, pour l'indibus, il n'y a pas de Kazak, pour te bandir, déjà, depuis bon mois, il n'y a pas de colère. Parce que quand ça se revendit moi la police à Mobutu à l'époque, personne n'a président maréchal à Sokoli Batebele. Il va écouter que j'ai un bon côté à attendre si bon politique ou yo n'a moins d'engue papi maquina la colonisation, mais va remercier la monnaie des singes. Tu sais que dit Étienne, très très libéré. Il n'est pas une référence. Ce Bobando, tu sais que dit comme référence dans Bokawana, la politique. Mais nous sommes toujours, n'a pas désordre, toujours dans Kubunga. Revenez à la raison. Que Mobutu, oui, il a fait des erreurs, te reconnaître. Mais il a bien travaillé. Dans un moment où il fallait céder, mais il ne l'a pas fait. Peut-être qu'il n'a pas tout capable, était pas farceur, pas aventurier. Bah comédien, il y a aussi une bonne aventure. Hein? Bah comédien, tu sais que tu l'as monté, papa n'a eu Étienne. C'est un aventurier, mais bah, je cite une référence. Ah, oh, bah Étienne a zagi bongoté, ah, Kabila a zagi bongoté. Non, revenez à la raison, ayez plus ou moins la considération pour le peuple congolais. Revenez là où tout a commencé. Le peuple a élu un homme qui s'appelle Martin Fayulu. Pourquoi vous avez sonné avec le banane? Mais vous avez tout soit il n'y a pas de banane. Ce que ça qui est en Zambie, vous changez, si vous avez cela, il peut vous dire cela, et que malam. Personne n'ose dire, papa, il n'y a pas de banane, il n'y a pas de banane. Mais pourquoi vous ne citez pas Fayulu? Pourquoi? Fayulu a sali bino nini. Tolo bate. Peuple à Salibino, Nini. Il y a aussi le peuple plein de Zazoba. On ne ment pas à un peuple. Non. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Beaucoup de Zonga Kananzela. Il y a aussi le considérer comme Hitler dans le monde. Bakolanda, même après, Bakolanda, on ne va pas battre Hitler, il est là. On va foutre Yango. Zalamayel, c'est le moment mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut. Je parle toujours avec des adages qui ceci explique cela. Tous les aventuriers là, ah non, bon boy, non, et c'est la faute. Kanamba yebi ayeba qui erreur na ye, il le reconnaît même dans mon thème na ye. Okokosa batu, ningozo okokosa, mais muna moi si na ye la nuit, mais okokosa n'a jamais conscience na yo. Mutakosa kanambe, esa garso yo, ndekona ye ya Burundi ou nani, e Kamere. Kamere mutakosa nani. Foko kosa Burundi, Kamere ko vanda bo, nani mote mano lobi yo, Ngaza, Kongole, ba mwana mboka. Mena mote mano lobi origine na yo, za Burundi, Rwanda. Tika ko kosa, ko change conscience te. Voilà ce que j'avais à vous dire, Angwana. Po tika ko distrait batu. Po zoom sa makamuna, mabuka Fayulu, pour mabuka peuple, terminé, et le problème sera résolu. Voilà.